Et bienvenue les amis pour l'épisode 1 sur ce nouveau let's play. Et je vous l'avais annoncé, mais dans les épisodes de fin de Tomb Raider, donc ils sont même pas du tout sortis sur ma chaîne. Bienvenue sur Ubisoft, petit indice, attention, ah, ceux qu'on va trouver, vous êtes nuls. Inspiré d'événements et de personnages historiques réels, cette œuvre de fiction a été conçue, développée et produite par mon cul. Eh oui les mecs, mon cul produit des jeux. Assassin's Creed Odyssey, voilà les mecs, ah, on est content. On est content, on est content. Le dernier Assassin's Creed auquel j'ai joué, c'est Black Flag. Volontairement, parce que j'étais ragoulé, rassasié, j'en pouvais plus ma gueule de Assassin's Creed. Je pouvais plus le voir en peinture. Et ce petit Odyssey, ma foi, j'ai regardé quelques tests, j'ai regardé quelques petites choses et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps. Je dois tenir le mois d'octobre avant la sortie de Red Dead Redemption 2, parce que ça, c'est pas un secret. J'y jouerai et je vous le partagerai, mais avec grand plaisir. Et donc, je me suis dit, allez, feu, patate, let's go, c'est parti. Ah. Ah oui, d'accord. Oh my god. Déjà, c'est particulier, hein. What? C'est bizarre les mecs, hein. Mon Dieu que c'est bizarre. Mais what the hell? Ouais, non mais Ubisoft, franchement. Un pack audio d'une langue supplémentaire par le jeu. Mais c'est une blague, mais c'est quoi leur délire? C'est quoi leur gros délire? Il faut télécharger le son du jeu? J'ai jamais entendu ça de ma vie! Permet la prise en charge d'une langue supplémentaire par le jeu. Mais what the hell? Mais oh my god, hein. Alors on va déjà aller dans l'audio. C'est où? Mais what? Mais ils me font une blague. Mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Mais oh my god, mais on est sur console, putain, on n'est pas sur PC! Oh putain! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, je retire ce que j'ai dit, ça va être une daubasse. Oh là. Mais c'est super fort la musique. Oh mon dieu, oh, ça va être nul à chier s'ils ont commencé à faire des gros délires comme ça. Non mais c'est une blague. Non mais les gars, mais je rêve en fait. Je suis en train de rêver. Il faut télécharger le pack de dialogue qui va mettre 3 heures. Au secours! Putain. Et même à 30, l'audio il est fort, le mec, quoi. Bon après il y a les sous-titres hein, mais oh mon dieu. Waouh! Complétez votre équipement d'assassin. Commence déjà avec des packs et tout. Je regrette presque d'avoir acheté le jeu tellement tout ça me fait vomir les gars. Contenu exclusif Twitch Prime. Complétez votre équipement d'assassin. C'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Oh mon dieu. Magasin Ubisoft Club. Ça me fait gerber les gars. Bon allez, on va commencer. C'est pas grave, on aura de l'anglais, sera sous-titré en français. Quelle daube.
Putain de grosse daubasse, quoi. Oh là là. Oh, c'est fini, j'achète plus d'Assassin's Creed. Ça y est. Ça y est. J'ai même pas commencé le jeu que j'ai pas envie d'y jouer, les mecs. Ah là là, Ubisoft, vous êtes trop fort pour moi. Vous êtes magnifique, vous êtes exceptionnellement exceptionnel. Hein. J'ai même pas envie de jouer à votre jeu. Putain, juste le menu m'a saoulé. Alors que j'étais plein d'entrain. Eh ben putain, ça promet. Il y a vraiment intérêt d'être bien. Hein. Soldier's life. I would have liked to have gone fishing with my son. Puis on va s'habituer aux voix anglaises. Du coup, on va télécharger le truc français pour rien. Let us meet our fate, shall we? Spartans! Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, disons 300. Sweat and tear, all of it has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood! What say you, Spartans? For our sons! For our daughters! For Sparta! Ah ouais, direct, ça commence direct. Pas génial hein, la présentation. Hein. Pas terrible, terrible, hein. Oh là, c'est bizarre. Mais what? C'est quoi ce système de combat? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bizarre. On peut pas caler, d'accord. On peut tourner la caméra quand même, d'accord. Vous allez voir que je vais réussir à crever dans le tuto. Tellement c'est mal branlé. Mon Dieu que c'est mal fait. Oh là là. Pourquoi j'ai acheté ce jeu les mecs? Je le savais. Putain. Il n'y a pas d'esquive, il nous dit pas. C'est fait exprès pour qu'on meure en fait, c'est ça. Mon Dieu.
pas convaincu. Je suis pas convaincu. Mon Dieu, que je suis pas convaincu. Unix Spartan, I'll bring Xerxes your head. Xerxes sends his sheep to slaughter. Come, Persian. D'accord. Putain que c'est nul. Putain que c'est nul. Oh mon Dieu, c'est nul à chier les gars. Mais quel... Mais regardez-moi ça, c'est bugué et tout. Oh. Not so tough without your army to protect you. Then why are you bleeding so much? Putain, qu'est-ce que c'est nul. Faut que je m'habitue un peu aux touches, les gars. Après, hein, faut peut-être. Tant que le kiff de tuer les gens, ça a pu être pareil, hein. Trade, my king. Xerxes knows of the path behind the mountain. They're coming. By dawn, you will be completely surrounded. We are Spartans. When are we not? Spartans. That word will mean nothing when Xerxes wipes your bloodline from the face of... Today was a day the Persians will never forget. Bon, ça a l'air bien violent, c'est l'avantage. It's a day the world will remember. Finally. Wow, this is big, Layla. Did you really think it's the spear? This is the one. The book was almost right on top of it. I've never been so lucky in my life. Okay, let's start her up. Are you sure we can trust this thing? I mean, the book could be... Just started, Victoria. You're the boss, boss. I'll prep it for you. Okay, so, worth noting, I've made some changes since you were last in here. There's no keeping up with the tech industry these days. I can crank up the simulation to maximum sensory synchronization if you're up for it. Mm-hmm. C'est bizarre parce que difficile, c'est marqué que c'est imposé. L'optimisation du choix de l'amélioration des aptitudes et équipements s'impose. C'est nul à chier. Bon, on va mettre normal. Hein.
J'aime pas du tout l'interface, c'est, je déteste. Allez. On prend exploration. Everything. You're putting a lot of faith in a fairly unreliable source. Historian or not, this guy wrote about magical objects and the will of the gods. He's not Homer. Herodotus was the first recorded historian, so there's a lot more truth in that text than you think. I mean, what better way is there of finding Isu artifacts than by trusting in the guy who claimed to meet an actual descendant? I know, but I need you to trust me. Isapa. You could be right. This spear, this book, it could all be crap. Something tells me it isn't, and I'm certainly not gonna let Abstergo find out first. You're right. We haven't got much to lose anyway. There's just one small problem. What is it? This manuscript is in rough condition, to say the least. The DNA found on the spear has identified two different individuals. You're gonna have to pick which strand of DNA to pursue. The choice is yours. On prend le mec, hein. Pas commencer à jouer une meuf, hein. Alright boss, we're finally good to go. 431 BCE, here we come! The start of the Peloponnesian War. Good luck in there. No pressure or anything, but we're all depending on you. Abstergo isn't gonna win this time. If what the book says is true and we do actually find the artifact, the assassins will finally have a chance to rise again. You can do it! Oh, and Victoria? Read the book. It holds the secrets I won't be able to find on my own when I'm in there. Aye aye, Captain. Pourquoi ils ont fait une équipe de meufs? Putain, je suis pas convaincu les mecs, c'est grave quand même. Vraiment pas convaincu. J'espère que ça va être bien. J'aurais peut-être dû rester sur Black Flag. On va voir comment le personnage se meut. Bouge, ça veut dire. Comment est-ce qu'il bouge? Se meut, ça vient de faire mouvoir, les mecs. J'espère qu'il est pas trop lourd, trop rigide. Mais le système de combat me fait grave peur. Déjà, le roi a l'air badass. Cyclops got a message for you. Tell your boss he can stick it. That's for last week! Malaka! The Cyclops said you like to act tough. So act tough! Get a little closer and I will. You should know by now. The Cyclops always collects his debts. You have a lesson. If the Cyclops wants to teach me, tell him to come here himself. Never mess with the Cyclops! D'accord, je vois à peu près les touches. Ça va. Oh, le chargement, putain, ils sont sérieux. Oh mon dieu! Ah, vivement Red Dead! Hein.
Qui leur apprennent comment faire un jeu, putain de merde. Thanks for the warning. What happened to you? It's nothing, Phoebe. All taken care of now. The Cyclops again, huh? Hasn't he learned his lesson yet? Apparently not. Of course. Help yourself. Hungry too, Icarus? Do you think Zeus will bless me with an eagle like he blessed you, Alexios? Maybe you could ask him for me. I'll try to put in a good word for you. Finally. So, what are you doing here? Oh, I almost forgot. Marcos is looking for you. What does that weasel want now? Don't know. He wants you to meet him at his new house. On his vineyard. Wait, what? A vineyard? Malaka! It's on the road to Sami. He says wine will make him rich. Where can I find Marcus's new beautiful estate? You know the statue of Zeus on Mount Aenos? It's south of that. Well, I guess I owe Marcos a little visit. Thank you, Phoebe. Commence pas à donner ta thune, hein. Est-ce que je les tue ou pas? Allez. You made a mistake coming here. No! Ah oui, j'ai pas verrouillé. On est un assassin, les gars. Et en plus, on loot. I'll have to go up top to get dressed. On loot rien du tout, c'est juste ramasser les gars. Bon. Ça a l'air plutôt fluide. Let's get this on. Alors, putain, ils ont fait en mode souris, c'est dégueulasse. On peut s'équiper comme ça, très bien. On a des aptitudes. Alors, niveau supérieur, récupérer des points d'expérience, fait passer au niveau supérieur. Très bien, de nouvelles aptitudes sont progressivement débloquées. Donc, il y a les compétences chasseur comme... D'accord. Putain, c'est excellent ça. Après, il y a des trucs guerriers. Coup de pied légendaire. Et trucs assassins. Ouh, ça. Et les trucs au corps à corps et à distance. Manœuvre défensive, attitude de base. Sifflement. La map, les mecs.
Les indices de quête sont au coin supérieur gauche, d'accord. X pour marquer un curseur, très bien. On fait ça, hop, et met la distance. Kefalonia. Peut-on zoomer? Macédoine, Tassos. Gouvernement athéménien, dirigeant non découvert, fortifié. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Chios, Lesbos, d'accord, des trucs. Il y a quand même d'avoir plutôt pas mal de petites choses, les mecs. Hein. Oui. Là, ça me fait penser à du Black Flag, c'est sympa. Ici dans le coin, il n'y a rien. Bon, d'accord. Le menu de l'inventaire? J'ai des équipements meilleurs. What the hell? What? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais où il voit que j'ai des équipements meilleurs que ce que j'ai là? Il faut qu'il m'explique. Magasin carrément. On va voir ce que c'est les gars. En même temps, vous découvrez en même temps que moi. Hein. Voilà, les grands packs, les moyens packs, les mon cul de pack. Putain mais, allez mourir les gars. Ouais, est-ce que ça veut dire mourir avec vos merdes d'extensions, de packs, de trucs à acheter en plus. Voilà, c'est de la merde en boîte. Crédit Elix. Ah qui? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez bien vous faire. Une petite sauvegarde rapide. Bon, il me dit que j'ai des trucs mieux, mais je ne vois pas. D'accord? Donc au final, voilà. Phoebe slept here again. Poor kid. No place to call home. Il saute pas? Il n'y a pas de touche pour sauter? C'est une plaisanterie. Il n'y a pas de touche pour sauter, les gars. Mais qu'est-ce que c'est qu'un jeu où le personnage peut pas sauter? Ça existe. C'est Capitaine Toad, le truc. Non, mais... Je rêve. Mon Dieu, je rêve. Bon, alors les quêtes, où est-ce que je dois aller? Parce que là... Trouver Marco, c'est lui parler. Ne plus suivre, suivre. Le sud du mont Einos. Ah oui, il y a une petite barre en haut, d'accord, ok, très bien. On peut courir vite, oui. Il peut sauter que quand il arrive à un bord. Waouh! Oh my god. Hein. Je sens qu'on va juste faire la quête, hein. Je sais pas pourquoi. Quelque chose me dit qu'on va pas s'éterniser 10 ans sur ce jeu. Une intuition. D'accord, je peux la frapper. Pardon, madame.
Je voulais juste vérifier, je suis désolé. Laisse-le frapper, dis rien. Tranquille. Il y a un truc à 200. Il y a un truc à... On va aller au premier, hein. C'est un peu moins loin. Pas sauter. Ah, j'ai jamais vu ça de ma vie, les mecs. C'est comme une map où on peut pas zoomer. What the hell? Je vois ce qu'ils ont voulu faire. Je vois ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est particulier, hein, putain. En gros, la map ne sert à rien, quoi. Ok, ma cible. Mais on comprend rien. Putain, qu'est-ce qu'on comprend rien? Ah, je bite rien, les gars. Là, faut dire ce qui est. C'est tellement mal expliqué. C'est une purge. Là, c'est une purge. Là, pour l'instant, c'est une putain de purge. C'est quoi ça? Bon, j'enlève l'aigle, je comprends rien. Oh Seigneur, pourquoi j'ai acheté ce jeu? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Des fois, hein, vous voyez, et suivre un let's play, ça sert à ça, les mecs. Ma cible de quoi? Faut que je trouve Marcos et que je lui parle. Ma cible de quoi? Ok, laisse tomber, voilà. On va aller là où ça brille. Let's see what you've gotten yourself into this time, Marcos. Yeah.
Moi, c'est juste qu'il y avait des points d'interrogation que je voulais voir ce que c'était. Ok, bah vous savez quoi, laissez tomber. On va laisser tomber les points d'exclamation, d'interrogation. On va faire l'histoire. En espérant vraiment que... Voilà quoi, vous m'avez compris. Oh là, qu'est-ce que c'est nul. Ils ont voulu faire un mélange de RPG, je sais pas quoi. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Foiros. J'ai pas d'épée ou quoi, putain? What the hell? Ah bah voilà, putain, ça brille pas. Y'a pas besoin de faire ton pitié là, espèce de sale enfoiros de loup de merde. Parce que c'est toi qui m'attaques, je te signale. Oh my god, my god, my god. Trouver l'Ostracon à énigme. Personne m'a vu là. Keep telling you, you can't do that. Why? It's my farm. I can plant what I want. The grapes will die here. All of them. You have to forget what you know about the past, my friend. Together, we will revolutionize winemaking. Believe me, you will look back on this day and... Alexios, thank the gods. Phoebe found you in time. About grapes. I can still hear you. I was worried sick. The Cyclops sent his scum to find you. I think they mean you harm. I wish you would have told me that before they hit me. But that's besides the point. You bought a vineyard, Marcos? A vineyard? Why not? I like wine, you like wine, everybody likes wine. Everybody buys wine. Why not from me? Because you don't know how to grow grapes. I'm a fast learner. You grow grapes on the vine, then you get some wine. Huh. It's that simple, is it? You know me better than to think I don't have a plan. Marcos always has a plan. All right. Then do you have the money you owe me? Do I have the money I owe you? Of course, of course. Well, no, not at the moment. Then get it. Instantly, my friend, instantly. But maybe you should do that. There is a merchant in Sammy. I'm not very good at these things, as you know. You want me to collect my own debt? It's just waiting when Sammy, my friend. Who's the merchant? Thuris. You know Thuris. He's very nice. Thuris? Again? Why do you keep lending him money? He's a loyal friend. I don't want his family to starve. You're a good friend, but you're bad with money. He'd better have my money, Marcos. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. After. Fine, but I'm taking a horse. It's too hot and too long a walk to go on foot. But... Think of it as interest, Marcos. Everybody benefits. Of course, my friend. You shall have your pick. Bon. Tell me about this one. The Skyros. You have an eye for sturdy stock, my friend.
The one in the middle. Tell me about it. Ah, you have picked a beauty, my friend. That horse is from Thessalonia, bred for its courage. I like the look of the one on the right. Ah, the Macedonian. These are bred for battle. A true warrior's horse. Le gauche, c'est quoi déjà? The Skyros. You have an eye for sturdy stock, my friend. That horse can cling to mountain passes like a god. Non, je prends celui de droite. I've made my choice. Which one will it be? That one. On the right. Fine choice. But this particular breed has a few quirks that you might not be aware of. I wouldn't want you to take an unworthy horse. This is the one I want. Are you sure? Because... I'm sure, Marcos. Everybody benefits. Especially you. You've chosen the great Phobos. He's never let me down. Phobos. Remember, meet me at the temple in Sami when you have your money from Duris. Ah, Efterpi. There's plenty of wine left to buy. Don't fret. Not now, you fool. Phoebe's been taken. By who? Thugs of the Cyclops. Who else? Snatched her right off the main road. Tell me where they went. In the direction of Itimene Beach. The beach? Can she swim? I'll get her. Yes, go. But don't forget about dear Duris, Alexios. Hep, hep. Ella. Yeah! Come on. Je trouve le truc de... je sais pas quoi, et énigme là. Rien compris. Nickel. Ok, bon, on va aller, puis après on va... Mais what? Mais comment je descends? C'est une blague ou... Ah, c'est rond. Ils me disent rien en fait. You don't look so good. I angered them, I think. The gods. Uh-oh. Murder or impiety? Neither. I used to worship Hermes at the Drohorati cave. There are gods there too, you know. In the cave? They grant wishes if you bring them tribute. So everyone makes an offering and asks for something in return. Ah, no wishes of mine granted though. I'm running out of money and tribute. I'm poor myself, you know. I did something wrong. You know Hermes. He can be a trickster. Oh, but there are many gods in this cave. All asking for different things. Go hear him yourself. You'll get my last tribute if you do. I need to know if they're real. All right, don't worry. I'll go. Oh, thank you. Remember, be careful where you step, Mystios. You'll be walking on holy ground. We'll see about that. Ah, ça nous met même pas pile dessus quand on appuie start. Infidèle, pensez. On va faire ça juste pour voir, les gars. On va devoir un petit peu commencer dans les grottes. Le défilement est quand même bizarre.
Ça n'a plus rien à voir avec un Assassin's Creed, hein. C'est impressionnant en fait. Ils ont tout changé, j'ai l'impression de jouer à un RPG. Mais pas un bon RPG. C'est ça le problème. Faut vraiment que l'histoire se montre à la hauteur. Hein. Like they were trying to carry them away behind the statue. There's a draft here. A crack in the wall. Allez, comme Lara Croft, la même merde, 10 ans, putain. They'll keep a sharp watch here. Mais what? Oh shit. J'ai même pas sauvegardé. On va voir si c'est une petite sauvegarde auto ou pas. Le chef des brigands. Ça va, il y a une sauvegarde auto, les gars. Mais j'appuie là, putain. C'est carré. Oh putain! Ça me gave! La nullité. La nullité du bordel. C'est nul. Au secours. Putain. Pourquoi j'ai acheté ce jeu? Oh, faut que je le finisse rapidement. On va aller à l'essentiel, les mecs. Oh oui. Putain, on va aller à l'essentiel. En plus, j'ai envie d'esquiver avec Ron. Parce que dans Tomb Raider, c'était la roulade. On peut pas se cacher, y a pas de... Putain, on peut même pas se cacher, quoi. J'ai contré la putain de ta mère! Putain, ça me gonfle! Ça y est, je suis énervé là. Allez, on réessaye une dernière fois.
Qu'est-ce que c'est nul? Faut arrêter de critiquer parce que sinon je vais le revendre tout de suite. J'aime pas, j'aime vraiment pas, j'aime pas. Super, on peut escalader. Bon, on peut déjà faire un vol discret. Mais non. Ils sont où? Déjà, ça me plaît un peu plus. Ok, très bien. Merde, ils sont tous là, au fait. Alors, attendez, on va sauvegarder. On peut pas sauvegarder, c'est une blague. On peut pas sauvegarder. Oh putain, la blague de l'année. On peut pas sauvegarder. Pourquoi je ne peux pas sauvegarder? Une sauvage pour sortir par un autre endroit, très bien. Maintenant, je peux sauvegarder? On peut, bah écoutez, on va sauvegarder là, on va arrêter la purge pour l'instant, les mecs. Bon, ça remonte un peu dans mon estime le fait qu'on puisse assassiner, passer en mode silencieux, mais c'est un peu bizarre quand même, hein. Là, je sais pas trop quoi en penser pour tout vous dire. Bon, bah écoutez les amis, sur ce, je vais vous faire des bisous, je vais vous dire à bientôt pour le prochain épisode quand même, puisqu'on va pousser un petit peu plus loin. C'était Radar sur CF Games, je vous dis à bientôt, ciao ciao.